Bonsoir Mohamed Chiche, Bonsoir. merci d'avoir accepté notre invitation sur BFM Lyon. La semaine dernière, le préfet a envoyé un courrier à Grégory Doucet, le sommant de faire plus en matière de sécurité publique. Il considère que vous n'avez pas respecté vos engagements quand l'État a tenu ses promesses en matière notamment de renfort de police, de policiers nationaux. On va détailler bien sûr tout cela, mais d'abord, que répondez-vous ce soir au préfet ? Bonsoir. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier de m'accueillir pour pouvoir aborder ce sujet-là. J'aimerais dire qu'il est quand même dommage, malheureux, que ce courrier sorte dans la presse. Il s'agit d'échanges que nous avons régulièrement entre la préfecture et la ville. Et ce n'est pas notre manière de fonctionner. Et nous déplorons donc cette fuite, cette sortie dans la presse de ces éléments. Ce que nous voulons dire, avant tout, c'est que nous devons bien replacer l'église au centre du village. La sécurité, c'est une compétence régalienne, c'est une compétence de l'État. Et donc, c'est d'abord à l'État de se positionner sur les questions de sécurité. Et nous n'avons pas à nous substituer à l'État sur cette compétence-là. Et bien entendu, nous prenons toute notre part, nous prenons donc nos responsabilités en la matière et nous travaillons donc à améliorer la réponse en termes de sécurité offerte par la ville de Lyon. Et j'aimerais simplement ajouter une dernière chose. Nous ne sommes pas dupes non plus du contexte qui est le nôtre. Nous sommes dans une période électorale. Cette sortie sert un candidat. Et pour le coup, j'aimerais que nous prenions un petit peu de recul vis-à-vis de ces accusations qui sont quand même importantes. Vous prenez votre part, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Le préfet, dans cette lettre de nouveau, vous demande de développer notamment les caméras de vidéoprotection sur la ville de Lyon. Ça a été demandé plusieurs fois. Pourquoi vous ne le faites pas ? Ce qu'il faut bien entendre sur les caméras de vidéosurveillance, c'est qu'elles sont très nombreuses sur la ville, 571 caméras. Toutes les zones qui sont, disons, les plus problématiques, celles qui concentrent nos inquiétudes, sont vidéosurveillées. J'en prends pour exemple Gabriel Péri, ses alentours. Nous reparlerons peut-être tout à l'heure de la place Ballanche. Et toutes ces zones sont déjà vidéosurveillées. Bien entendu, nous entendons qu'il y a nécessairement, parfois, des zones qui se font connaître, malheureusement connaître. Et nous avons pour cela un équipement de caméras nomades, c'est-à-dire des caméras qui se déplacent au gré de nos besoins, qui sont déployées par la ville de Lyon en concertation avec la police nationale, bien entendu, et la préfecture. Et nous répondrons donc à ces besoins. Par exemple, pour la manifestation contre Bayer qui a eu lieu le week-end dernier, deux caméras nomades de la ville ont été disposées pour nous permettre d'avoir un œil sur ces événements et d'apporter une réponse en matière de sécurité et d'activité des forces de police à ce moment-là. Pour vous aujourd'hui, installer plus de vidéoprotection, vidéosurveillance sur Lyon, ce n'est pas la priorité pour résoudre les problèmes ? Ce qui est pour nous la priorité, c'est d'abord de résoudre les problèmes. Et il faut bien que nous replacions cette question de la vidéosurveillance dans sa place normale, légitime. Nous devons bien comprendre que la sécurité, ce n'est pas l'affaire d'un dispositif. On ne peut pas dire que nous aurons plus de sécurité si nous faisons croître notre parc de vidéosurveillance de manière exponentielle. Nous devons bien réfléchir à notre contexte. Nous devons bien penser à la manière dont nous répondons. Et bien entendu, la vidéosurveillance est un outil. Il n'est pas le seul. Nous souhaitons développer les forces de police sur le terrain, pour notre part de police municipale. Et c'est en ce sens que nous travaillons. Ça fait presque 2 ans que vous êtes aux affaires maintenant. Vous avez promis un audit justement pour les caméras de vidéosurveillance. On en est où ? Le premier audit sur la vidéo-verbalisation est en cours. Voilà. Souhaitons les résultats pour le mois de mai. Il nous permettra d'avoir un recul suffisant sur les 18 mois d'expérimentation que nous venons de connaître. Et à partir de cela, nous verrons comment nous faisons évoluer la vidéo-verbalisation sur la ville de Lyon. Les deux autres audits, un est plus urgent que l'autre, notamment celui sur les usages. Nous avons lancé la procédure de marché, nous avons eu des réponses, nous les étudions actuellement, mais nous avançons bien entendu sur ce sujet. Vous comprenez que les Lyonnais, au bout de 2 ans, trouvent le temps un petit peu long et qu'on parle des audits, mais que rien ne se passe ?
Dire que rien ne se passe, c'est, il faut bien le repréciser. Nous sommes quand même extrêmement actifs sur les questions de sécurité. J'ai envie de vous parler de notre brigade cycliste qui a doublé et qui nous apporte énormément de réponses en termes de proximité, en termes d'action et en termes de qualité d'action. Nous avons des retours extrêmement positifs. Nous avons effectivement aussi au sein du parc de la Tête d'Or, mais également sur les berges du Rhône, la brigade équestre. Et nous développons actuellement cette police de proximité, notamment en ayant deux unités de 14 policiers municipaux qui pourraient se déployer dans les mois qui viennent, ces unités supplémentaires de proximité qui nous permettront d'avoir des policiers et des policières de la ville au plus près des habitants, de leurs besoins, pour améliorer leur sécurité et leur permettre aussi de partager leurs problématiques au quotidien. Laurent Wauquiez affirme avoir 1 million d'euros pour la ville de Lyon. Il vous invite à se mettre autour de la table pour en parler, pour développer notamment le système de vidéosurveillance, mais aussi donner du renfort pour les policiers municipaux en termes de matériel. Est-ce que vous déclinez de nouveau cette proposition faite déjà l'automne dernier ? Alors, je veux simplement dire les choses très rapidement. Il n'y a pas de polémique à avoir en la matière. Nos choix ne sont pas limités d'un point de vue budgétaire. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'approche, tout d'abord. Nous sommes très... très à cheval sur la question des compétences des uns et des autres. Il n'y a pas de compétences de sécurité sur les espaces publics pour la région. En revanche, nous l'enjoignons à intervenir plus fortement sur la question des déplacements collectifs, et notamment les intercités, de travailler également à la formation des auxiliaires de puériculture, de pouvoir simplement dépenser ce 1 million d'euros là où nous en avons tous besoin, là où les familles lyonnaises ont besoin d'avoir des réponses rapides. Et s'il vous plaît, à la région, dépensez ce 1 million d'euros pour le service de toutes et tous. Nous nous occupons de la sécurité et nous continuerons à le faire jusqu'au bout. Vous évoquiez les policiers municipaux tout à l'heure. Vous devez faire face à leur colère aussi. Ils étaient en grève le 1er mars dernier. Ils dénoncent leurs conditions de travail qui se dégradent, leur rémunération, le manque d'effectifs. Êtes-vous prêt à lâcher du lest dans les négociations avec les policiers municipaux ? Sur ces questions de négociation, je tiens à dire tout d'abord que déjà un premier geste avait été fait avec une enveloppe de 500 000 euros qui a été débloquée pour une augmentation de 120 euros net pour les catégories C et B, 50 euros pour les catégories A. Les discussions continuent sur d'autres aspects qui sont ceux de rémunération, mais également de conditions de travail, de conditions d'emploi. Donc, il va falloir recruter, en tout cas, ils le disent, il n'y en a pas assez. Ces renforts, ils vont arriver rapidement et à la hauteur des besoins de la ville. Alors, nous appelons tous de nos voeux ces recrutements et il faut simplement situer cette pénurie de policiers municipaux dans un contexte national. Beaucoup de collectivités au niveau national se sont dotées de policiers et de policières supplémentaires, voire ont créé des unités de police municipale. Et cela crée un énorme déficit en termes d'agents. 4000 agents sont manquants sur le marché du travail des policiers municipaux et par conséquent, cela amène forcément une concurrence extrêmement forte entre les collectivités pour recruter ces agents. Notre volonté de les recruter est là. Nous voulons avancer sur ce sujet de la manière la plus rapide et efficace qu'il soit. Et je veux redire en tout cas à l'ensemble de nos agents que nous tenons à eux, que nous les aimons et que nous voulons qu'ils restent avec nous, parce qu'à la ville de Lyon, nous voulons pouvoir travailler en bonne intelligence au service des Lyonnaises et des Lyonnais. Une dernière question, on n'a plus beaucoup de temps. Le ministère de l'Intérieur a diffusé les chiffres de la délinquance pour 2021 début mars. Lyon se place en troisième position derrière Paris et Marseille. Rapidement, que comptez-vous mettre en œuvre pour que les Lyonnais se sentent en sécurité ? Je vous l'ai dit un tout petit peu plus tôt, nous avons une politique forte en termes de proximité. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important. Cela permet d'échanger beaucoup d'informations au quotidien, de repérer les profils qui posent problème et ceux qui pourraient poser. Et à partir de là, travailler sur la sécurité réelle des Lyonnaises et des Lyonnais. Par conséquent, ce que je veux dire, c'est que cette approche en rapprochant la police de la population est une approche
pragmatique qui va nous permettre d'apporter les réponses qui sont attendues et de lutter contre les différents phénomènes qui sont décrits dans cette étude et qui rappellent tout de même que les places de ces villes sont relatives aussi à la densité de population. Et rappelons-le, Lyon est une des villes les plus denses de France. Merci Mohamed Chi d'avoir répondu à nos questions ce soir sur BFM Lyon. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous.